va commencer. On va laisser les autres nous rejoindre après. And we will let the other come one of the other, after the other. So basically, the main question was for me last week to know which book we could study together. We could, let's say, keep weeks after weeks. La question principale la semaine dernière était de savoir quel livre on pourrait étudier ensemble. Quel livre on pourrait garder semaine après semaine avec un objectif précis. And you know, in the tradition of the Mikubalim, to have a deep understanding, a deep knowledge of the Midrashim, it's like a gap, it's like a bridge to be able to understand all the languages of the sage of Kabbalah. Most of the time people, when they see Midrashim, they say, we don't understand a single word. It's not logical. Nothing is here to be taught. Nothing is here which can be explained. La plupart du temps, quand les gens sont face à un livre de Midrash, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à enseigner. La cohérence, elle n'est pas là. So to be able to study Midrashim, you need a deep, 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 deep understanding of many concepts in Kabbalah, of many concepts in Pnimiut, of many concepts on situations which are basically not taught in many places. En général, pour pouvoir comprendre un niveau de cours basé sur les Midrash, il faut une grande compréhension des écrits du sol. So why I choose that book? Because, like we said last time, the purpose for us is not only to give to women's kind of knowledge, kind of understanding. The purpose is to build women who are able to be women, to be what they are, and also women who are able shalom, to... Shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Hi. So to be with... to give women the possibility to be able to understand what the husband is studying, to understand what is the inner work that the husband do every day when he's not at home. Donc le but en fait du limoud, c'était de donner aux femmes une force d'action, une force de réaction qui leur permettent en fait d'être des femmes fortes, des femmes qui sont capables d'être des femmes, mais aussi capables de faire ce que les hommes, de comprendre ce que les hommes étudient à côté, sans forcément savoir ce qu'ils font au quotidien, mais de comprendre. So we're going to start with the first midrash, and in the first midrash, the midrash connected to the parashat of the week. And in the explanation, I will also make a kind of resume of what I said last week. So the parasha, which is the portion of Torah that we read every week, donc la parasha qui est la partie de Torah qu'on lit toute la semaine of the week is Be'ar Bechukotai. So in Be'ar Bechukotai, Be'ar means on the mountain. Donc les deux parachutes qu'on fait, c'est Be'ar et Bechukotai. Et Bechukotai, Be'ar Bechukotai means Be'ar is on the mountain, c'est-à-dire sur la montagne. And Bechukotai means inside of your laws, but laws, the higher one. We have three kind of laws. En fait, quand on est dans Bechukotai, on dit à l'intérieur de tes lois, mais les lois les plus hautes. Because we have three kind of laws. The first kind of law, the first law are Mishpatim. We have Mitzvot, Mishpatim, and Chukim. Donc on a les Mitzvot, les Mishpatim, and les Chukim. But Chukim, chok means that if someone, is it possible that someone may find the idea to do that law like it's done? The answer will be no. What does it mean? Chok, le chok, it's a law which have no logical, which cannot be understood by men because of the daily life or because of what's happened around him, and he understands that, for example, it's not good to kill, or we have to build justice.
Donc, il y a des lois qu'on peut comprendre par la logique. Par exemple, ne pas tuer. Aller dans une logique de qu'il faut construire des cours de justice. But there is law that we don't know exactly what are the logical behind. Il y a des lois où on ne connaît pas exactement c'est quoi la logique qui est derrière. For example, Shabbat. What the logic? Okay, I understand that maybe men need to rest. Okay, Shabbat. Je comprends la logique qu'un homme doit se reposer. But why you need it to be the seventh day? Pourquoi tu veux que ce soit le septième jour? Why not the sixth one? Why not the five, the fifth one? And why you want me, instead of that day, not to light any kind of light, meaning that not to create energy. Pourquoi ce septième jour-là, pas le premier, ou le deuxième, ou le troisième? Et pourquoi dans ces jours-là, tu m'empêches d'allumer une source d'énergie, une source de feu? Not logical. So we're going to see what Rabbi Tanhuma, which is the author of this book, wants to give to us today about the Midrash. So the Midrash basically will be a specific way to explain some pasuk of the parasha. Donc le Midrash, ça va être une certaine manière d'expliquer certains pasuk de la parasha. So I will share the text on the screen also. Like this, you can follow without being disturbed. So I'm here. This is the first part of the text. Sorry if it's not so clear. Donc on commence là, on va voir ce qui se passe. Perfect. C'est Imbechukotai. So Imbechukotai, this part of the text, it's taken from the pasuk in the Torah. Cette partie-là, elle est prise dans le pasuk de la Torah. Il said, I want, Rabbi Tanhuma say, I want to understand what does Imbechukotai mean. Rabbi Tanhuma veut savoir ici, ça veut dire quoi? Si dans mes lois, Imbechukotai. So he said, Zeshamarakatuv, Im Charutim Yamav Mispar. Chodashim itach, ukav asita v'lo ya'avor. So to explain the meaning of this condition, pour expliquer l'explication de cette condition, Rabbi Tanhuma dit, Rabbi Tanhuma is saying, im bechukotai, when Hashem said to us, if you are going inside of my laws, im bechukotai. Meaning that there's a condition here. Im means if. So what does it mean if? Said, to understand this, we need to take another verse, another pasuk. Pour comprendre ça, on doit prendre un autre pasuk. From Yov. From Job. Job. And this pasuk, I will not explain it now. I'm just building the structure. And after, we will go deeper. And I remind you, this limit is for women. So believe me, all single words, all single explanation are here like keys for you. So he say, Ma'u im charutim yamav. So he say, in the pasuk, we have the pasuk taken from Job. Le pasuk pris de Yor, il y a marqué im charutim yamav. Charutim yamav mean that Hashem defined a number of days for each thing which comes to life. Je crois que Dieu définit une durée de vie pour chaque chose qui vient à la vie. For men, for ants, for trees, everything, when it comes in this world, have a beginning and have a end. Donc il dit, Im charutim yamav. Donc c'est quand Dieu définit une durée de vie pour chaque chose. Il faut savoir que chaque élément vivant, dès qu'il descend dans ce monde-ci, il a une durée précise de vie. Il commence quelque chose qui doit finir. And it's asking, what is that God defined a number of days? C'est-à-dire quoi que Dieu va définir un nombre de jours? Why you have to give me that explanation? Why I need to know that everything has a beginning and has an end and Hashem defined a number of days for each things, day of lives.
Donc pourquoi tu me dis ça? J'ai besoin de... Qu'est-ce que j'ai besoin de cette information-là maintenant? Il dit, Bara c'est when Hashem build his world, create his world. Quand Hashem il a construit ce monde, Kharat Il dit, give a time of life for each one of them. Il a donné un temps de vie pour chacun. Chez Nehemiah. Viayu les otot, tous les moadim, les yamim, veshanim. So it's simple. You want the proof? C'est simple, tu veux la preuve? Va dans Bereshit. Go to the first chapter of Bereshit. Is it written? Hashem gives time for the moon according to the cycle of the moon, time for according to the cycle of the sun. He gives days, he gives years, he gives weeks. So all this means that time is the main thing in our world. Ça veut dire, regarde dans Bereshit là-bas. Il crée un cycle lunaire, un cycle solaire. Il donne un temps pour les semaines, pour les jours, pour les années. Ça veut dire que l'élément central dans le Olam Hazeh, c'est le temps. L'acte 7. Ou les Mishenatnam. So he said, the question is, OK, you define time. OK, tu définis le temps. But for which purpose? For who? Who need that information? You understand the question of Rabbi Tanhuma? Vous comprenez sa question? Who need that information? Because you and me, we don't know what are the time that we have to spend here. We all hope that we'll achieve 120. Il fait OK, tu as défini le temps, mais c'est pour qui? Bah, si tu définis le temps, à la limite, dis-moi quand je suis censé partir. Même si on espère qu'on va faire, qu'on va partir à 120 ans, bah, tu définis un temps, informe les gens. Non, il give no information. Il define time, but no one knows. C'est. So, to who he give that? Les Israël. He give that to Israël. Il a donné cette information à Israël. C'est yes. How? Fait comment? Chez Neymar. Magi devarav Yaakov, chukav mishpatav Israël. C'est yes, it's written in the Tehillim, in the Psalm. It's written in the Tehillim 147. He said, Hashem give say his things to Yaakov, say his amazing and understandable laws to and mishpatim to Israel. So sorry, my question is, who is Israel? Donc là, tu veux la preuve, regarde dans tes livres, c'est écrit là-bas que Dieu donne ses instructions, ses paroles à Yaakov. Il explique ses hukim et ses mishpatim à Israël. So my first question for you, if it's written like this, and I don't know my timeline, am I Israël? Am I a part of Israël? La première question pour vous, si il définit ici les temps et qu'il donne les informations, et que je ne sais pas quand je suis censé partir. Je suis Israël ou pas? Question. Who want to answer? Who have an idea? Feel free. There is no wrong answer. There's only good answers. Je peux répondre en français? Oui. Ok. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que il demande précisément, il dit exactement les jours de la vie, ou est-ce que juste il nous a informé qu'on avait tous un jour de vie quand on vient sur Terre? Et dans ce cas-là, en fait, l'enseignement, c'est qu'on est tous limités et que dans ce cas-là, on peut être conscient qu'on a un temps sur Terre limité et que du coup, on doit en faire quelque chose de bien. Je traduis pour les anglophones. So, Sarah said that maybe it's not just to be precise about the number of days that we have to spend here. Maybe it's just we know that we have a final day, and meaning that final day we will have a time, and that time bringing us to know that inside of that timeline we have to do things. But we maybe don't need to know exactly what are the numbers of our days. Sarah, tu as raison à 98%. She's right, 98%. We're gonna see why only 2% is missing, but she's right. This is the direction. Elle a raison, c'est la direction. What's happened? Look,
Tu es Neymar. Ma guide va ramener Yaakov au Galem Shmatim d'Israël. So he said, why I said that we're missing 2%, we'll see after. Pourquoi je dis qu'on manque 2%? Because it's written, Hashem that reveals everything to his tzaddikim. We saw it, for example, with David Ameler. David Ameler, he said, Hashem, give me what are, when I will die. On peut le voir, que Dieu ne cache rien à ses tzaddikim. David, il lui demande, dis-moi quand je peux mourir. He said, no, I cannot tell you because I make an oath on myself that I will never reveal that information. But you know, David, because I like you so much, you was born on Shabbat, you will die on Shabbat. And David is not crazy. He knows that he had to live 70 years. Donc regardez, David lui dit, dis-moi le jour de ma mort, quand je vais mourir. Il dit, je ne peux pas te dire parce que j'ai fait un vœu sur moi-même de ne jamais révéler ça. Mais comme je t'aime bien, David, regarde. On va faire en sorte de te dire que quand quelqu'un est né à Shabbat, il meurt à Shabbat. Après, David, il n'était pas, il savait qu'il devait vivre 70 ans. Il y a ce niveau-là de roi à Kodesh, on comprend les choses. Donc, on a un niveau où on a accès à l'information. On peut avoir accès, parce que rien n'est caché. So we have a circumstance where we can really get information. But we cannot build it because what said Sarah will be the line that I want to build with you. But let's build it slowly. We take information. Ezrat Hashem. Toda Rabba Sarah. And after said, Mispar Chodashim Itar, Chukav Asita, Velo Oya Avo, Amar Kadosh Baruch Hu LeYisrael, Im Asitem Et Chukai, En HaSatan, Nogea Bachem. Oh, now he starts to be serious. He said, you know what? I define the days. Il fait être sérieux. Il fait, c'est quoi? Je définis le nombre de jours que tu as. Je le définis. Il n'y a aucun problème. Il said, but if only you keep and respect my chukim. Meaning that chukim, they have a power to help us to achieve the original time that we had to spend on this earth, and we will leave that earth without any sufferance. We will be in what we call in Hebrew mitad neshika. We'll be in your bed, happy of what you have, peaceful, happy, smiling, and Hashem will say, "Your time has come." Even your family will be there, saying you bye bye. You say Shema Israel. Everybody is so amazing by the situation, and you passed away. No situation where you will see disasters or anything which will be hard to afford for you or even for your family. Et donc ça veut dire quoi? On comprend que les hukim ils ont une force, c'est de nous aider à atteindre les jours qu'on est censé réellement passer ici-bas, et que quand on a fini de les atteindre, certains c'est 120 ans, some people it's 120 years. Some people live 90 years, mais quand tu les as passés, quand tu attends ce jour-là, la manière dont tu quittes ce monde, ce n'est pas une manière violente. Ce n'est pas une manière où tu te fais arracher. C'est une manière où tu vis ce qu'on appelle une mitad neshika, où Hachem vient te faire ce fameux baiser où ton âme, elle repart. Et tu es en paix, et tu es heureux, et les gens autour de toi, ils sont même émerveillés d'assister à cette situation. C'est compliqué à comprendre, mais on va essayer de construire. Elle dit, c'est « but ». But, and a certain nega bachem, Shenemar, one second. Shenemar, Yavor, meaning that when we lose time of life, when we chas v'shalom, we die before the time, it's because the Satan put his hands on our days, on our life, on our soul. Donc il semblerait ici, ce qu'il dit Rabbi Tanhuma, c'est que le raccourcissement de la durée de vie, c'est parce que le Satan a vraiment réussi à mettre sa main sur nous. Et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre les jours nés définitifs, définis pour nous. Elle dit, aval, imenechem osim chukai. Il dit, but if your eyes does my chukim. Sorry, I don't understand. Help me, please.
I thought since I was a child that we do things with our hands. How is it possible to do things with our eyes? Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, cette phrase, je ne la comprends pas. Dit Aval Imenechem Osim Rokai. Si vos yeux font mes chokim, je ne comprends pas. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours pensé qu'on faisait les choses avec ses mains. Alors, qu'est-ce qu'il a ici, Abitan Khouma, à me dire qu'on fait les choses avec nos yeux? Pas seulement ça, not only that. He said, if you do the chokim with your eyes, the Satan will not touch you. Ah, sorry. So, just tell me that I'm lost because I don't know how to do things with my eyes. I just know how to do things with my hands, right? I don't understand. If you don't want me to, if for you the purpose is me not to succeed, Hashem, let me know. Why you give me option on this end and the other end you slap me? Je comprends pas, mon Dieu. Tu me dis que tu veux que j'ai les clés pour allonger, vivre ma vie en paix. Et quand je te dis que je suis prêt à faire, tu me dis fais avec tes yeux. Tu ne veux pas m'aider, dis-moi. Vous me comprenez? You follow me? Do you follow me, Tzadik? Yes, Rabbi. Yes, Rabbi. Humans, do you follow me? Yes, Rav. Baruch Hashem. For people who are used with me to study, it's always like that. The first half hour, we open all the questions because we have been taught that before we start to explain, we have to let the tzaddik talk. Here's the tzaddik, he's talking. We have to listen till the end. If I have a question, but I don't give answers yet. So he said, il faut savoir que nous, dans la tradition, comme on nous a expliqué, c'est que l'information, on l'apprend. On ne commande pas tout de suite. On ingurgite, on prend toute l'information. Ça s'appelle laisser le tzaddik parler. Et après, on essaie d'expliquer. And he said, if you do the chukim with your eyes, the Satan, are a Satan no gea bachem. If you don't do, Chazé Shalom, if you don't do the chukim with your eyes, the Satan will get you. Si tu ne fais pas les chukim avec tes yeux, le Satan va t'attraper. Je n'ai marre. Mide avro ikar etrem. It's written like this in Ishayahu. Huka vasita. C'est écrit comme ça dans Ishayahu. Huka vasita velo yaavo. Car amarti l'ishlomo b'sha'a sh'sha'al et ha'chokma. Ma amarti lo. Che gam asher lo sh'alta'a natati lach gam osher gam kavod. Im tikayem et ha'torah ve'et ha'chokim. En ma'alach mavet nogea bach. So, said, don't be surprised. Hashem is talking now. Don't be surprised. Say, see what I said to the king Shlomo, Solomon. I told him, if, when he asked only for wisdom, say, if you keep my Torah and my chukim, I'm telling you, Shlomo, that the angel of death will not touch you. Donc il dit, il fait, Hachem parle maintenant, il dit, regarde ce que j'ai dit à Shlomo, si tu ne crois pas ce que je suis en train d'expliquer. Et je lui ai dit, Shlomo, si tu ne touches, si tu gardes ma Torah et tu gardes mes chukim, sache que l'ange de la mort ne te touchera pas. Je n'ai marre. Et il me tenait, et d'arkel, il mort, chukai, mouzbotai, kacher, alar, dawi, davicha. Barticha et Yamecha. C'est written also in the Torah. Hashem tell him. C'est aussi écrit dans la Torah. Dieu lui dit, si tu gardes le chemin parfait, le chemin parfait qui est de garder la Torah, de garder les chukim, comme ton père David l'a fait, alors tu allongeras tes vies. What Hashem told also to Shlomo. C'est if you keep the righteous way to keep my Torah and my chukim, like David your father did, you will make longer your life. So I don't understand. Is there a time that Hashem defined when we will be born that you will live 70, 80? Or the purpose of the Hakim
is to bring us till 120. Alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un temps défini de vie et de mort? Ou en fait, Hachem nous dit, tu es né, tu mourras 69 ans, 70 ans? Ou bien est-ce que non, que les Hukim nous aident à aller jusqu'à 120 ans? What do you think? Feel free to talk. Ça nous amène jusqu'à 120 ans. Bien fait. Parce que ça ne peut pas être blanc ou noir, c'est pas possible. Bien fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, what does it mean? She said that the purpose of the Hukim is to bring us till 120. So what does it mean? It means that, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'un homme il commence à zéro et puis il fait la Torah et les mitzvot, puis il s'allonge, et des Mazim Tov, puis il s'allonge de durée de vie? Ou bien il y a une durée de vie et après on lui rajoute. So what does it mean? Does it mean que ça s'allonge aussi? Non, je traduis en anglais. What does it mean? That we are start with zero and every good actions and spirituality we do add to us years. Does it mean that we have a time defined and that time can be adopted to our behavior? What do you mean? Could it be that if it's connected to what our purpose is and what we're supposed to fulfill, and if that our time is assigned for us before, and if we haven't, you know, let's say fulfilled it because of Torah and Mitzvot, Hashem gives us more years in order to fulfill that. Voilà, Kavod. This is that. Ah, elle a dit en fait, il y a un temps qui est défini, mais après on peut l'arranger. C'est ça la réponse. How? Because in the Torah, the inner Torah, dans la Torah un peu du Sod, we know that the highest level of wisdom, on sait que le niveau le plus grand de Chochmah is to understand about Gilgulim, is to understand about reincarnation, c'est de comprendre la logique des réincarnations. So when we come to life, even if we live our own life, we are who we are. Même si quand on vit en vie, même si on vit notre propre vie, on est qui on est. Our soul is not so new. It came with some count. Il vient avec un compte, un cheshbon déjà. And this brings us to come with a capital, with some situation that we have to improve. Ça, ça nous amène à venir avec une situation qu'on doit améliorer. Toda rabba. Because it means that I just have a question. I'm aussi. Vas-y, Sarah, vas-y, Sarah. Vas-y, Sarah. Alors, j'ai une question par rapport à Shiloh Haken. Il y a une histoire. J'avais la même question. Exactement. Ben voilà, on a la même. Alors qu'il était censé avoir les jours prolongés, voilà, comme vous savez, il est mort. Alors pourquoi, alors que c'est censé rallonger dans ce cas-là précis, alors ça raccourcit les jours de sa vie. Ou pas, hein, peut-être pas raccourci. Les jours de la vie de qui? Ça a coupé un moment. L'enfant qui est mort en écoutant son père qui lui a demandé de faire Shiloh Haken. Alors non seulement il a respecté son père en faisant ce qu'il lui a demandé, ce qui est, il y a trois récompenses, trois srach dans la Torah, ou trois mitzvot où il y a des récompenses, et ça faisait partie des récompenses. Il me semble que c'est des chukim, les deux. En fait, il faut aller revoir cette gemara. En fait, le Shiloh Haken, ça fonctionne que si l'enfant il est de 1 par mitzvah, et même l'homme qui serait homme, il doit comprendre ce qu'il est méchaléa, il doit comprendre ce qu'il est en train de renvoyer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dikdoukim dans cette halakha, il y a tellement de précision que des fois, quand on l'a fait, on n'a pas forcément le gain, et quand des fois on le fait avec pas la bonne intention, on est perdant. Par exemple, on sait que nous, pendant la période de la Sirat HaOmer, c'est interdit de faire cette mitzvah. C'est-à-dire que tu ne peux pas renvoyer
la mère de son nid pour prendre les... Attends que la mère est pas pour prendre les oiseaux, pour prendre les œufs pendant la spiratome. Il a le rapport. Le sujet est très profond, mais il semblerait que celui qui ferait ça pendant la période qui n'est pas bonne, au lieu d'allonger, raccourcir. C'est pour ça que, notamment dans la vieille ville ici à Jérusalem, comme par hasard, quand vient la période de la spiratome, on voit de plus en plus de nids se faire à côté des échivotes. Parce que les oiseaux savent qu'à ce moment-là, ils n'ont aucun danger. Donc, cet enfant-là, c'est parce que comment il l'a pratiqué, c'était peut-être Alpi, Bedigduke Alakha, c'était Nahon. Aval Bedigduke Ashkafa, c'est-à-dire, est-ce que le Zman était Nahon? Il faut voir, parce qu'il y a plein de temps où ce n'est pas forcément écrit dans le Shulchan Aruch, mais que nous, on ressent Masoret Alpi Zohar, qu'il y a des temps qu'il ne faut surtout pas faire. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, les Chokim, dans le cas de Shulchan Aruch, rallongent bien la vie. Parce que c'est annoncé, c'est expliqué. Donc, le Chok rallonge bien la vie. Mais on va arriver à un point, Ezrat Hashem, qui va donner plus de corps à ce que je viens de dire. So what I said, she asked about one situation written in the Gemara, where we know when we saw that child, he practices the laws of Shiloh Haken. What is Shiloh Haken? It's when you know that a bird is covering the eggs. You have to wait that she went away and you go and take the eggs. And Hashem said, when you do that, you earn more life. And she said, there's a story that about a young who did that, but instead of living a long life, he died. So I said, two options. Sometimes, first thing that we know is that Shiloh Haken has to be done by a child, but which is bar mitzvah, meaning over 13. And also, even if you're adults, you have to do it with a perfect knowledge of the halacha. And also, we know that there is some specific periods which when it's really forbidden to do that. Like in the time of the Omer, we don't do that mitzvah. It's asur. And also, to say that she said, also pour ajouter ce qu'elle a dit Sarah, maybe it was the time for him to die. So he achieved the day that's meant for him, I finished to live what I have to live. Donc peut-être cette Shiloh Haken, ça lui a fait atteindre le jour qu'il devait atteindre. But we're going to see all that. What is behind? So he said, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ruka vasita, melo yavo. Adam arishon ilu shamar et haTorah ve'et haMitzvot shenatati lo, lo haya met. C'est lui qui a Adam arishon. Adam et Chava. Regarde Adam arishon. Hashem said, if he had kept my Torah, s'il avait gardé ma Torah, lo haya met. Il serait pas mort. This is the secret of the pasuk. C'est le secret du pasuk. Si tu vas dans mes chukim, what did you understand? Personally, I'm lost. I'm telling the truth. I'm lost. First of all, chukim. Okay, we saw Shabbat is a chok. Moi, personnellement, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Mais ce midrash-là, il est fini. Il m'a perdu. La première, c'est quoi les chokim? Ok, Shabbat, Shiloh Haken. Ok, je comprends. Je comprends que c'est des lois que je ne peux pas comprendre. Ok. What the connection between this and my time on this earth? C'est quoi la connexion entre ça et ma vie sur cette terre? Okay. So I have a question in message here from but Rabbi Akiva said the long life is the life of Olam Haba. Yes, this is the eternity, not long life. But here we want long life, and in the Olam Haba we say Chaye Olam Haba, because you don't have death. So the aspect of life means that your life and death. But when we come back to Olam Haba, we say Yom Shikulo Yom Shikulo Shabbat, meaning that you even don't talk about life because you don't have death, so you have only one thing, which is life. So Rabbi Akiva was talking about two different aspects. Donc il dit, Hashem il dit, moi je comprends pas. I don't understand. If you understand, let me know.
life, the time of my life, the durée de vie. Hukim. To do the hukim with my eyes. I don't know if you feel like me, but I think this is the key here. Because even if we don't understand the logical of Rabbi Tanhuma here, but we can understand the meaning of the sentence. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais je pense que la clé ici, elle est dans faire la mitzvah avec ses yeux. Parce que même si on ne comprend pas ce qu'il dit, même si on ne comprend pas l'idée générale, mais les phrases sont quand même tant intelligibles, on arrive à savoir ce qu'il dit. Mais cette phrase-là, elle n'est pas intelligible. This sentence is not logical. I don't do things with my eyes. Personally, I don't succeed. I don't know. Can you take your phone with your eyes? Can you walk with your eyes? No. So what is this sentence? Aval enechem osim chukai. But your eyes will do my chukim. Mais vos yeux feront mes chukim. This is the main message I want to give to you now. What are the eyes which are doing things? C'est quoi les yeux qui font des choses? But before that, I want to show you something. Said like this. He said that a Jew has life. Le juif, il a une vie. This life, cette vie, elle est protégée par les chukim. This life is protected by the chukim. But if we are missing chukim, et si on manque des chukim, what happened? Put his hand on him. Et si il n'observe pas les chukim, Satan met ses mains sur lui. The next time, maybe I will show the text which explain what I explain now, because I want to go straight to the point after. But what happened? Sur les prémices, des pensées, des actions. Oh, éphémère. On va voir ça. Je vais voir ça. Donc, what's happened here? Everybody know that there is no mazal in Israel. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de mazal en Israël, right? We Jewish, we don't believe in horoscope. We don't believe in Sagittarius, Aries, Pisces. We don't believe in that. We are not under that influence. Tout le monde sait que le juif n'est pas sous une domination de mazal. And mazal l'Israël, right? Who is not agree? You agree? And mazal l'Israël. Yes, Rabbi, we agree. Okay. So if and mazal l'Israël, how can you explain that suddenly because you missed up something, won't get you, and you lose your life? First of all, and mazal l'Israël. But I have another question. Written in the Gemara. I sent the picture in the group. In a few seconds. It's written like this in the Gemara. Bene, taille, maisonné. So, c'est qui comme ça la Gemara? Les enfants, la vie et le mazon. The children, the life and the mazon. Lobis chutat aliyah et la abimazala. Is not connected to the merit, but to the mazal. So please, who can explain to me? On one side, you tell me that we don't have mazal, and the other side, you bring me that you cannot have life, children, and parnasa, let's say food, without mazal. You don't have merit in that situation. Who have an answer? Do we have mazal or not? Boss, les deux. On n'a pas choisi ni dans quelle famille on vivait, ni où on va. Enfin,
si, on a choisi où on va, mais on sait pas, on n'a pas choisi où on était de base. Après, on a tous les outils pour se sortir d'une situation donnée. Alors, la situation, elle est définie, mais après, c'est à nous d'en faire quelque chose. Je suis d'accord à 50%. Parce que tu as dit les deux. I agree. She said that maybe we have a situation where we are able to move in some situation and to make it better. And sometimes we miss that. But I said I agree. But something, what bring me to be agree with you, Sarah, ce qui m'a fait être d'accord avec toi, Sarah, c'est que tu as dit les deux. I will explain it to you simple. Like this. You see here? When the Gemara said that we are under the Mazal, and that Mazal brings to us Bene Chaye Mizone, children, food, and life. The Mazal are not the horoscope. Le Mazal n'est pas les horoscopes. The Mazal, they are the 30 points of the beard of Arir. Who know what is that? Who know? Parfait, Rachel. Tu connais Dikna? Because Alpi Rashbi Alpison, when you say Hashem, Hashem, El Rachum, Bechanun, Ere, Rapaim, Rav, Chesel, Vemen, Notzer, Chesel, Alavim, Notzer, Avon, Apisha, Verata, Venake. We call it the Yag Midot, the 30 Midot. But for people who are knows the text, we call that the 30 point of the beard. What is the beard? Is that. What is Arir? Is basically the highest structure we depend on. It's much more higher than the horoscope. Donc c'est quoi ça? Ça s'appelle les transports de la barbe. Chacun s'appelle un mazal en fait. C'est Hashem, Hashem, El Rachum, El Chanoun. Chacun d'eux, c'est un mazal qui est à des milliers d'années-lumière de l'horoscope basique qu'on a. This is where we get our blessing, our Shefa. From here. Hashem, Hashem, El Rachum, El Chanoun, El Rapaim, El Rav, Chesed, Behemet, Basir, Yesed. You have 13 points here. That's why, please, Miss Giveret, women, let your men weave their beard, please. This is the secret of Shefa. Mesdames, laissez vos hommes avec leur barbe. Ne rentrez pas dans l'esthétisme. Don't enter in the, this is not. Let your husband weave the beard. If you want to be clever, you will understand that that beard is the roots of blessings. It seems to be something small. Ça l'air d'être rien. But this is the secret. Because we say that Hashem had a beard. And from each part of his beard is sending to us blessings. That's why we, to grab that blessing, we say Hashem, Hashem, El Rachum, Hashem, Hashem, El Rachum, Bechanun, Erer, Apaim, Erafreset, Behemet, Otsecheset, La'alafim. There's many things. This is big secret. Big, big secret. This works. Ce système-là, il fonctionne when you are in the Chukim, you keep the Chukim. You are under the Mazalot, Shel Yag Midot, the Rachamim. Each point is called one mazal. But when you messed up, what happened? You fall in the other mazalot or scope. Mais quand tu te trompes, tu lâches la Torah, tu tombes dans un irrespect des chukim, à ce moment-là, même des mishpatim, tu lâches la Torah. You forget the Torah. What happened? You, as a Jew, you fall in the other mazal, which are the mazal that all the people knows and knows, Sagittarius and so on. This is what he's telling you here. This is one of the deepest sugya in the Torah of Sod. C'est une des plus grandes sugyot, la Torah du Sod. How do we understand that the Jews cannot
can be missing the blessing. It depends where you are. Ça dépend de là où tu es. Comment juste ne pas être béni? Bah parce que est-ce que tu es dans ce mazal ou dans ce mazal? Where are you? Are you in this mazalot or in this mazalot? This is the reason why here, hukim is used like the switching, the switcher. C'est pour ça qu'ici, les hukim sont utilisés comme la balance, ce qui fait switcher. This is just a bracket. C'est une parenthèse. But now, let's go to the final point and finish. My question. Aval im enechem usim chukai. But if your eyes do my chukim. Si vos yeux font mes chukim. We had some message in the group saying that maybe the eyes are connected to a part of our souls. Or maybe the eyes are the origin of our thoughts. All of them, they are good. But the question is, we need concrete things. We took half an hour to build the concept. On a pris une heure pour construire le concept. Maintenant, on veut des choses concrètes. And for that, we're going to go to the second midrash of Tanhuma, which is basically the midrash, the second picture I sent to you, and which will be the answer. One second. This is here the answer. To understand, pour comprendre ce que Tanhuma veut nous dire dans ce passage-là, to understand what Tanhuma wants to tell us in the Chukotai, the first Mishnah, we have to go back to the Mishnah Dalet of Vayetze. On doit aller dans la, pour comprendre ce qu'il a voulu dire là-bas dans Bichukotai, on doit aller dans la Mishnah Dalet de Vayetze. Ladies, now it's for you. It was for you from the beginning, but now we'll understand why I brought it here. Les femmes, vous allez comprendre pourquoi je vous amène ici. Dit Vayar Hashem qui snoua Léa. Hashem saw that Léa was hated. No love for Léa. Hatred on her. Hashem, il a vu que Léa, elle était détestée. I will not enter what meant snoua. Je ne vais pas rentrer dans expliquer c'est quoi détester. But understand one thing. Léa was hatred on her. Léa était détestée. We know that one of the biggest pain with situation in our generation and like other generation is that women always feels that they don't have enough intention, enough love. And maybe something is wrong. En fait, pourquoi cette question-là, c'est la clé? C'est parce que on sait que dans notre génération, et de tout temps d'ailleurs, la question primordiale, c'est le sentiment de haine ou de ne pas avoir la reconnaissance ou le regard qu'il faut que les femmes ont. Elles se sentent toujours un peu mal aimées, détestées. This is the woman. They feel that. Why? Because of Chava. Not because Chava. Chava, she... It was not so easy for Chava. Let's keep it simple and keep some chidushim for the next time. No, Chava, c'est dur. So I know that if the purpose of the midrasha is to build powerful women, my first job is to help you to remove from your heart that feeling of not being appreciated at your just value. Donc je sais que si on veut construire le midrasha où les femmes sont fortes dans ce qu'elles sont, dans leur féminité, dans ce qu'elles sont dans leur Torah, il faut d'abord enlever d'elles ce sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur, de ne pas être aimé, et parfois même de croire qu'elles sont haïes. And sometimes even if you think that you, people hate you. It can be your colleagues, it can be friends. You feel that something is wrong.
When you are like this, when you feel things like that, you have to know that your salvation, it's only in Leah. You have to see and study how she did. Toute personne, toute femme qui est dans cette situation de « Ah, on me déteste, on ne m'aime pas, je suis seul, je me bats, je donne tout et je n'ai rien en retour. I'm alone, I give everything, I'm here for him, I'm here for them, but don't give me attention and nothing back. Et je suis là, je donne tout et je n'ai rien en retour. » This feeling, the only one who can save you, Sadikot, it's to understand Leah. La seule chose qui peut vous aider, c'est pour c'est de comprendre c'est qui Leah, ce qu'elle a fait. So it says, Hashem saw that Leah had hatred on her. So it was right. What does it mean? That Leah, she was feeling that I don't have the love I deserve. And Hashem's confirmed, yes, it's right. Leah was right. She was not loved at this at the standard. Donc on voit quoi ici? Qu'en fait, non, Léa ne se trompe pas. Le sentiment que vous avez, the feeling that you have, is nachon, it's good. You are not wrong. Vous avez raison de sentir ça parce que Dieu le confirme. Il dit, regarde, Léa, elle était détestée. Hashem imé khatima. Ok, Léa, snoua'i. Ok. Why we need to know that? Look. Pourquoi on doit savoir ça? Yelamdeenu Rabbeinu. Our sage want to teach us. Nos sages vont nous apprendre. Ma'u she yevarech Adam al re'ar besamim shel avodazara. Car shanu rabotenu en mevachim al aner vilo al abesamim vilo al re'ar shel avodazara. Aval imavar beshuk al chanuyot shel besamim chayav levarech. Aval על ריאה של עבודה זרה אסור. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תקחו אחר עבודה זרה, שאין בה ממש. ונאמר, עיניים להם ולא יראו. רואה איזה כספס? Do you see what's happened? I will cut the share because I want to see the reaction of the people. Because we here become serious. You see what's happened? Happened that Hashem say yes, Leah, you're right. Your husband hates you. Yes, it's written in the Torah. Hashem il dit Leah, t'as raison, Leah. Ton mari déteste. But before to give to us the answer, he said, where come that feeling that you feel that you're have hatred on you, que tu sens que tu as de la haine sur toi, qu'on te déteste, where it come from? He said, it come from Avodah Zarah. What? Avodah Zarah? Il fait ça vient de l'Avodah Zarah. What the connection? I'm here, I'm a husband, he don't like me. What the connection, me and Avodah Zarah? I'm Leah. Oh, Leah. Tu sais pas d'où ça vient, tu vois pas, tu comprends pas? J'ai au moins deux raisons de prouver que tu as fait Avodah Zarah. Quoi? Yes? Say like this. What are the reasons? Why Hashem, why Tanchuma bring here the halachot about smelling the besamim, the perfume of Avodah Zarah's work? Pourquoi ici? Rabbi Tanchuma ramène le fait de sentir l'auteur des Bessamim d'Avodah Zarah. Simple. Who is the father of Leah? C'est qui le père de Leah? Who is the father? Lavan. Lavan, Arav. Lavan is the witch, the sorcerer, the master of sorcery in chief. You think that you're a little child. What do you smell at home? What do you see at home? Your father walking, receiving people. Say, ah, what do you want? You want to do Aina around this one is? Do. What do you want? You want to do that? Go, take. Candles, take. This is where you grew up. You say, Hashem, you eyes should never see that. Because when we do
Avodah Zarah, you have to know that you are basically not respecting one of the biggest hawk. Parce que quand tu comprends que tu, quand tu fais Avodah Zarah, c'est que tu es en train de te mettre à l'opposé d'un des plus grands hawk. At least, what is the purpose of Shabbat? To show that we are connected only to Him, because it is only Him who asks us to keep the seventh day. So when I start to look at Avodah Zarah, to smell Avodah Zarah, and He say, you rise. On va y arriver. So he said, look, Léa. Peut-être Rachel elle voyait aussi, mais Léa avait un lien particulier avec son père. Parce que Léa, on voit qu'elle sortait dans les champs. Et sa fille aussi va aller dire le shalom avec les gens de Canaan. Donc là, il y a un petit problème ici. La connexion avec son père a créé autre chose, qui a créé autre chose, c'est Rachel aussi. But we're gonna see. So this is the problem here. He said, avoid Avodah Zarah. Basically, avoid to disrespect my hukim. You women especially, all the hukim, you have to keep it like this. I will not say all the list of what we call hukim. Just type on internet, list of hukim in the Torah. You will see them. Keep them. Because when you don't keep them, when you are not rooted them, what's happened to you? Your eyes are touched. It's not missing, it's written. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. C'est-à-dire, vous les femmes, attention aux hukim. Gardez-les avec une force particulière parce que pour vous, elles sont précieuses. Dès que vous ne les gardez pas, qu'est-ce qui se passe? Vos yeux sont touchés. When you don't keep the hukim properly, your eyes are touched. Bracket, parenthèse. What is eyes in Hebrew? Aïn. C'est quoi les yeux en hébreu? C'est Aïn. Gematria. 70. 10. 50. C'est quoi la gematria de Aïn? 130. The gematria de Aïn. What is 130 in Hebrew's letter? C'est quoi 130 dans les lettres hébreux? Kal. What is Kal? Who knows what is Kal? Simple. Hein? Simple. Exactement. La Gemara dit Datan shel nashim kal. The Gemara said that the understanding of the woman is kal. And sometimes it means frivolous. Des fois ça veut dire frivole. Les dates des femmes sont frivoles. When this happens, when the eyes are not kept. What does it mean? When the hukim are not kept. Ça veut dire quoi? Que le dat kal que les hommes aiment bien utiliser pour se moquer des femmes. What does it mean that the dat kal that sometimes Chazal Shalom men use to joke and to mock women? Where does it come from? Here. You know, woman say, oh, I'm a woman, I don't need to know Torah, you know, one prayer a day, one prayer a week, it's enough. I'm giving education, it's and I'm taking care of the house, it's enough. It's enough. You have the power to do 10 times more. Okay, this is all la question ici. If qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les femmes dont on, je ne me mets pas dedans, mais les gens se moquent, ouais, les femmes, elles sont frivoles, elles n'ont pas la tête, elles sont simplettes. Ça vient d'où? Quelle est ta relation au hukim? Parce que les hukim, on a vu dans les deux Tanhuma, hukim is going to eyes.
Because you do with your eyes. And here, I'm going to say, you know what, Léa? She felt that she was hated. Donc, le sentiment de haine que tu sens sur les, que les autres peuvent avoir sur toi, ça vient d'où? D'un manque de ça. So the feeling about the hatred, where it comes from? Missing that. When you miss that, what happened? You are under the horoscope, the bad one. Donc, de là, from there, let's see. He said, Shalom, shalom, haram. Shalom, shalom. Donc vos yeux ne doivent pas voir la Vodazar. Your eyes, you don't see a Vodazar. Meaning your eyes should be always focused on, let's at least through him. To remove from your heart that feeling that people, this man, my family don't see my value. Pour faire partir de vos cœurs que cet homme, ce mari, cette famille, ne voit pas ma valeur. Cette famille ne voit pas ma valeur. Why we need to remove that? Pourquoi on a besoin de faire partir ça? Because a woman has value, et she's chayim, she never complained. Comment je sais qu'il faut faire partir? Parce qu'une chayim ne se plaint pas. I'm not saying, it's not me, c'est pas ma théorie. On va le lire. Look. He said, and I'm, Ava la kadosh baruch hu, la kadosh baruch hu, bet kadosh baruch hu, Adam, melachesh, בתור ליבו בתפילה. רגע. בתור ליבו בתפילה. מיד הוא שומע. מנין? מנחה, שנאמר, וחנאי מדברת וגומר. וקולה לא ישמע. תדע לך, שערי רחל ולאה, לאה לא הייתה ראויה להינשא אלא לעשר. So he said something. So you have to know that Hashem hears the prayers. We have a tradition, Al Pisod, when we pray, we don't bring out any kind of sound. We keep all our mouth closed, or like the Ben Yechai say, we just move the lips without bringing out any sound. And he said that prayer, it's received straight, Hashem listen. Donc il dit, sache que quoi? Sache qu'à ce moment-là, Hachem entend les prières. Mais quelle prière? Celle que tu pries, comme nous on a à l'épisode, on ne sort pas de son de la bouche. Au maximum, comme dit le Ben Yishraï, on remue les lèvres, mais le son ne sort pas. So that prayer is received. Et fait cette prière, elle est reçue. So why now you talk about praying? C'est look. You feel hatred. Tu te sens haï? Not love enough, pas assez aimé. Here's the solution. First of all, prayer. Prayer. Because the situation where you are, even if people are used as tools to make you feel that pain, but it's because of you. Parce que la situation dans laquelle tu es, où tu ne te sens pas aimé, ou pas assez aimé, ou même haï, même s'il y a des gens qui sont utilisés comme un outil pour le faire, te faire ressentir, et c'est à cause de toi. Donc, Sha'are Rachel Bilea Bilea lo aita areu alinase ela alesa v'Rachel Yaakov v'aita Leah yoshevet v'parashat drachim v'shoelet al esav ma ma'asav. And he said, you know, Leah and Rachel, they are on the same level. Rachel est au même niveau, but Leah was only bid, let's say, to marry Esav. Il fait Leah Rachel, c'était pareil. Mais Leah, elle était conçue que pour épouser Esav. So what she did? She was thinking about that option. My father told me from my young age, you will marry this man called Esav. Mon père, il m'a dit, depuis mon plus jeune âge, je dois épouser cet homme qui s'appelle Esav. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Leah? Elle réfléchissait. Elle analysait. Elle allait aussi demander dans les marchés. And she was also asking in the market, who is this man Esav? Who know him? You know, have you ever heard about him? Who is he? Because I know he's supposed to be my husband. Donc, elle allait demander. Elle fait, ah, qui c'est ce Esav? Vous le connaissez au marché? Parce que je dois l'épouser. Where are you, Omrimla? What were the answers? C'était quoi la réponse? Ishra is the bad man. C'est un mauvais garçon. Chauffeur d'amim.
He's a killer. Kill people. We know he kill people, but because his father has power, maybe I don't know what. He never have problem. What? C'est un meurtrier en plus. Mais qu'a fait Ovri? Adoum, shalom, shalom, Rabbi. Shavim. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, Rabbi. Shalom, Ekula. Shavim, Adoumim, Kuloa Deretzea, Racha, Kol Toavot Hashem Esav. Kol Toavot Hashem Osei, sorry. He said, this man is the worst man in the world. All the things that you can imagine, the worst things, the most disgusting things, you know, he did. He do it every day. Il fait, tu sais quoi? Oublie. Cet homme-là, c'est pas simplement un meurtrier, c'est pas simplement un mauvais. Il fait mais toutes les choses les plus dégoûtantes qui sont dégoûtantes aux yeux de Dieu. Il appelle ça Toravot. Il est fait. Il do that. Je sais. Mais Rachel, Damim, Osei. Kevan Shaita Shomatka Aita Bocha Beomeret. I did. He said, because she was listening to all that answers, she was crying. That's why one more time, the eyes of Leah were dry. Donc quand elle entendait ça, qu'est-ce qu'elle faisait, Léa? Elle pleure. Even you will have been crying. If you see that the only option you have in your life is the worst man on earth, you cry. You say, what am I? What did I do? Tu pleures. And he said, Bocha ve'omeret, ani ve'rachel achoti. Ibetan echad yatzanu. She was saying, what's the problem? What's wrong with me? Me and my sister Rachel, we came from the same belly. C'est quoi le problème avec moi? Moi et ma soeur Rachel, on sort du même ventre. Rachel, tu l'as dit de Yaakov, le tzadik. Rachel, elle va voir Yaakov, le tzadik. Elle va se marier avec lui. Et Ani, les Savaracha. And me, my destiny is to marry this bad guy. And my sister from the same mother. She will marry the tzaddik. She was crying. She was crying. Pleurait. The ficha, that's why, c'est pourquoi, ene Lea rakot. That's why the eyes of Lea were very, very weak. You know, like, you're like this. No, you cannot cry. Elle pleure. Because she said, what's wrong with me? Why is it so hard? Qu'est-ce qui est pas bon avec moi? Pourquoi c'est si dur? Why it seems to be impossible? Why? Everybody knows, but no, I'm done. Pourquoi c'est si dur? Why it's so hard? And this brought all the layers to cry. Et ça mène tous les layers à pleurer. Vayar Hashem qui se noit, et c'est à that moment, elle dit à ce moment-là, Hashem il a vu qu'elle était détestée. Hashem saw that she was hated. Snuin, be Snuai, sorry, Snuai. Qui Snuai. Snuin Maase Esav Befanea. Ah. You see? He said, don't think that the solution is to think that he hates you or they hate you. Mais ne pense pas la situation, c'est qu'il te déteste ou que ta famille, lui, là, il te déteste. He said the purpose of this pasuk is you have to hate what is wrong. Il fait le pasuk, il dit pas ça. Le pasuk, il dit
tu dois haïr ce qui est pas bon, ce qui est pas en place. Vayar Hachem qui se noua Léa. Et Dieu l'a vu que, en fait, Léa détestait. C'est quoi détester? She don't like the option with Atrokim. Donc Hachem, il a vu que quoi? Léa détestait l'option où les Atrokim ne sont pas en place, où on est dans des mazals, où on dépend de choses qui ne sont pas de notre ressort. Why you bring yourself to be under bad mazalot? So I said, I see she's crying. She's praying. Ah, je vois, elle pleure. Elle prie. And she don't want that reaction because that solution because it's not normal for a Jewish to wait after that. No, I cannot be happy to marry a killer. I cannot be happy to marry a violent man. But who can be happy like this? Donc il dit ouais, je vois quelque chose qui est là. Elle déteste cela. Elle veut pas être de ça. Elle veut pas partager sa vie avec quelqu'un qui est un meurtrier. Enfin, tu détestes ça. Et tu me le prouves. You say, I see now you hate that and you prove it to me by praying and by crying. Don't think that crying is a proof of weakness. Ne croyez pas que les pleurs, c'est un signe de faiblesse. When the cries comes at the right time, at the right moment, they are powerful to make prayers to be received. Quand les pleurs arrivent, au bon moment, au bon endroit, elles sont puissantes pour que les prières soient reçues. That's why when we wake up at midnight, we have to cry on the destruction of the temple. C'est ça que nous, quand on se lève à Hatzot, on doit pleurer sur le fait que le temple n'est pas là. C'est Aval Rachel. Shaita, Shumaat, Shei, Tinasel Yaakov. Il dit, mais Rachel, elle entendait que Yaakov, c'est son mari. Ah. Aya. Les pays David sont arrivés. Oui. Il n'y a que eux et le Khatan Khalav. Comment c'est? J'ai été nassé de Yaakov. Aya Liba Samia Bemit Gae. C'est what the problem with Rachel? She had everything's okay. I will marry the tzaddik one. Ah, Yaakov said, what's happening, Rachel? She was happy and she started to be arrogant. Mais c'est pas ça, Rachel? Comme elle a vu que son destin à elle était bien, elle a commencé à se réjouir et à devenir arrogante. Arrogant. Oh, so what's the best gift? What is the gift? The best gift. To have everything you want easily or to cry for things? I don't know. C'est quoi le mieux? D'avoir ce que tu as besoin facilement ou de pleurer pour les choses? And he said, Kevan, si c'est noir, c'était El Yaakov, Amar Kalosh Baruch Hu, Ata Baruch Hu, Ota'a Shaita'a Bocha, Mit Na'a. Mitnae ou Mitnaa ve Sana Maasav Esav ou Mitpaleel Lefanav Lefanai ve Din Shiloo Itrachek Min Otoa Tzadik. C'est what happened. Hashem, she saw that. This one is praying and crying, asking for the best. This one got the best, but she is not keeping it like a. She become arrogant. He said, at the same time, she not only she was crying, Léa. He said, c'est pas seulement qu'elle pleurait, Léa. Il dit, l'autre devient arrogante. Il fait, non seulement elle pleurait pas, she was crying, elle pleurait, but also fasting. Elle jeûnait. Mitana. She was fasting. Because when you really don't want the situation, believe me, you find the strength to fight back. If something is disturbing you, but you know, you're cool, you chill, it's not essential for you. So, qu'est-ce qui se passe? Quand réellement quelque chose, tu ne peux pas le supporter, tu ne te donnes pas de répit, tu le repousses de toutes tes forces. Tu pleures, tu pries, tu jeûnes, fasting.
So I don't know. People say, ah, fasting is not on our generation. Who told you? You are Rabbi Tanhuma. You are higher than him. He's giving you midrash. He say, you know what? The imaot. For me, you are not less than the imaot. We have to take models as best as possible. This is written meforash the Ben Ishchai. It's better to be the tails of lion than to be the head of foxes. Donc il dit, faut pas avoir peur de prendre des standards élevés. Parce que les standards élevés vont te montrer les morts que tu as en toi, ça te garder humble. Because when you take high example, high models, you will see the missing inside of you. This will keep you humble. So don't be shy to say, my example, my model is Rachel Imenu, is Leah Imenu. Don't say, no, you know what? We are nothing. No, we are something. Give yourself ambitions. Donc, il dit la même chose. Il ne croyait pas que c'est une mauvaise idée que de prendre des hauts standards, parce que ces standards-là, c'est ce qui te définit et ce qui donne la force de devenir ce que tu es. Mais ne reste pas dans une posture de te dire, non, je veux... Non, on ne fait pas, nous. Il fait, c'est mieux d'être la queue des lions que d'être la tête des renards. C'est quoi les lions? C'est les imams, les avants, on est trop petits. Mais sois à la queue de ces oies de ceux-là, comme ça tu vas grandir. Plutôt de te dire, ouais, je suis à la tête des gens qui font les choses simples. Il faut de l'ambition. And he said, il parlait les panaves. Hachem said, ah, she's crying, she's praying, she's fasting, you know what? She will not be losing that situation. Elle fait, ah, elle pleure, elle jeûne, elle prie, mais c'est impossible que je la fasse perdre. She will also deserve to be called wife of Yaakov. Elle méritera aussi d'être appelée la femme de Yaakov, because I don't want her to be far away from the telling, because her behavior is perfect. Je ne veux pas qu'elle soit loin du telling, parce que son comportement est parfait. Arenotela, banim, tehila. And not only that, she will be the first to have kids. C'est pas seulement ça, elle sera aussi la première à avoir des enfants. Mais la reine Emma, Paya, Hachem, Kisnoa, Léa, Paipata, et Rachama. Et il a marqué, that's why Hachem saw that Léa was 18. She was 18, all the bad situation, not to be connected to the bad aspect of the life. And said, and he opens his womb. Il a dit, voilà, Hachem, il a vu que Léa était haïe, pas qu'elle était haïe, qu'elle haïssait ce qui n'était pas proche de la Torah, ce qui n'était pas dans les Hukim, dans les Hukim. Il fait, elle a ouvert, ça qu'elle ait commencé à avoir des enfants. And Rabbi Tanhuma finished. My conclusion. No. You will see that many things will be said about women. Vous verrez que beaucoup de choses sont dites sur les femmes. They are frivolous, they are not focused, qu'elles sont frivoles, qu'elles ne sont pas focus. And at the same time, you know that you are strong, you are powerful. Au même moment, vous savez que vous êtes forte. But something is the key to go at the highest level. Une chose est la clé pour aller au plus haut niveau. Is to understand how important are the chukim for you. De comprendre à quel point les chukim sont importants pour vous. Not only chukim, of course, all the Torah, chukim, shpatim, tzvot, everything is important. Nothing is higher, nothing is lower. Tout est important, même les chukim. Toute la Torah est importante. Même les shpatim, même tout, les mitzvot. But your connection to the chukim will help you to build Avodat Hashem, a service of God, at the high level. Mais la manière dont vous allez vous connecter au Hukim vont vous aider à construire une relation dans Avodat Hashem d'un niveau d'une autre extraction. Go on Wikipedia. Check what are the list of the Hukim. Allez sur Wikipedia, regardez c'est quoi la liste des Hukim. But keep in mind, if you want to be Eshet Chayim, you have to change the deal. You have to do things
with your eyes. What are eyes? Is basically kal. What means kal? Dat. Vous devez faire les choses avec votre dat. You have to do things with your dat. I will explain without a shame another time what this means. When you do that, you can be able to say, I'm not hating. I hate that situation. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez vous dire, je ne me sens pas détesté, je ne suis pas détesté. I hate that situation. This is the changing, the switch that Habitan Huma is doing. So Bezrat Hashem, I know that we are just in the beginning, but I really think that Midrashim will help me and help you to follow the parashot, to get the tools of our, what is the way of life in the Torah, and also to give to yourself tools to be very special. Je suis convaincu que, on n'est qu'au début, mais je suis convaincu que l'étude du Midrash Tanhuma va vous donner des forces, va vous permettre de savoir c'est quoi les outils, les clés pour avoir une vie qui est reliée au Sod. Ce n'est pas juste l'étude du Sod. Le Sod, c'est un mode de vie. Studying in the Torah is not only to study, it's a way of life. Et ça, ça fera de vous des femmes pas spéciales, uniques. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen. Is there any question? Amen ve amen. Amen ve amen. Bochim tiyou. Toda rabba lachem. Shabbat shalom. Memora. Passez un très bon Shabbat. Have a good Shabbat. And if you have question about any all the limud of the week, don't feel shy. Send it in the group. There, all the teachers have to answer. It's also a way to help them to improve their teaching. You asking to understand more, better and better what they are saying. So, Bezrat Hashem, we will have maybe new shiurim coming also. So I will let you know. But just keep in mind that we need you. We are ready for you for any question, any help, any situation where you need prayers, need support. We are here. Shabbat shalom. Avec plaisir. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you. Shabbat shalom. Thank you to you.